Alors comme ça, on est là pour voir des trucs stylés, des moves du futur et un maximum de skills, des gens super badass qui possèdent un boomerang en carton et des haltères du poids d'une plaquette de beurre. Vous êtes sur la mauvaise vidéo, les amis. Et oui, je préfère être réglo avec vous et vous dire les choses dès maintenant, parce que les amis, cette vidéo n'a rien de commun. Non, cette vidéo n'est pas normale. Pas normale du tout. Et pourquoi ça, me direz-vous? C'est dégueulasse de faire ça. Premièrement, c'est une vidéo spéciale Noël. Nous sommes là à l'heure actuelle, le 1er février. Ça encore, ça passe, voilà, vous êtes sur cette chaîne, vous vous attendez pas à avoir des choses spécialement logiques. Alors il arrive souvent pour les youtubeurs, je pense, sauf si peut-être qu'il y a juste moi et je suis vraiment un bolos, quand tu fais une vidéo, d'avoir des petits problèmes techniques. T'as plus de place sur ton ordinateur, l'enregistrement marche pas, le son, etc. Enfin bref, il y a toujours un petit problème, soit de son, soit de machin. Sauf que là, il y avait pas qu'un petit problème, il y avait tous les problèmes combinés possibles, ensemble. Le son qui marche pas, le mec qui me parle mais ça enregistre pas, la caméra qui s'éteint, le... Voilà tout! Et en plus, et ça c'est peut-être le pire, je vous promets, je n'ai jamais été aussi nul à part au moment où j'ai lancé le jeu pour la première fois. Il y a quand même des facteurs qui peuvent me dédouaner un minimum. S'il vous plaît, regardez cette vidéo en toute détente sans vous préoccuper du niveau qui est inexistant. Mais pour me rattraper, bien sûr, je m'engage. La prochaine vidéo sur Rocket League, je jouerai sur PC contre des champions, je gagnerai des games. Vous avez entendu, hein? Je gagnerai des games. Donc je vous laisse avec notre ami, le Père Noël. Allez, ciao! Bonjour à tous les enfants, j'espère que vous allez bien et que vous avez été sages cette année, puisqu'aujourd'hui, je vais vous donner des cadeaux uniquement à une condition, bien sûr, si vous arrivez à mettre des buts sur Rocket League. J'ai déjà fait ce concept deux fois, et à chaque fois, en fait, il n'y avait pas vraiment de conditions pour recevoir des cadeaux, ça dépendait juste de mon humeur, c'est-à-dire que même si vous gagnez ou que vous perdiez, vous repartiez souvent avec quelque chose. Et aujourd'hui, je sais pas si ça se passe comme ça, mais on va faire un truc, c'est que je vais jouer contre vous aujourd'hui, et à chaque but que vous allez mettre, je vais vous donner un cadeau. Et bien sûr, si vous arrivez à me battre, vous aurez des cadeaux plus stylés. Ok, c'est parti pour le premier match de cette vidéo. Le mec est champion 1. Je vais me faire ruiner. Sur PS4, je suis vraiment éclaté. Donc je vais faire de mon mieux, écoutez. Et bon, on va... Ah bah d'accord, avec le lag, ça va être vraiment parfait. Je vais perdre tous mes cadeaux du premier coup. Et voilà, allez, 1-0 pour lui. Déjà, je lag. Ensuite, j'ai un bonnet de Père Noël sur la tête. Ça aide pas du tout. Et de 3, j'ai le son du jeu qui est extrêmement fort, qui me défonce les oreilles. Bah du coup, je sais pas pourquoi je me plains. Je vais juste... Oh, ça rentre pas. Ça rentre pas! Le mec avait raté son engagement! Déjà, il a un cadeau. Il est bien. Allez, 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 ça passe! Ça rentre! Poteau! Oui! Boum, égalisation! Un partout, allez, c'est bon, je me ridiculise pas trop. J'arrive quand même à marquer. Ok, là, il va partir. Voilà, vous avez vu, il est sympa. Il s'est dit, est-ce que je tape un petit air drag tranquillement et je le ridiculise devant 150 000 personnes? Non! Il a été sympa, il a dit pas tout de suite. Pas tout de suite, je vais attendre un petit peu. Là, par contre, là, il prépare. Voilà, 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 voilà. Ok, c'était juste... C'est juste pas gentil. Ça servait à rien d'éviter de faire ton air drag pour éviter de m'humilier et après de me faire ça, parce que c'est peut-être pire. Allez, on va sortir la grosse frappe. Boum! Dommage, c'était nul. Il faut juste que je me chauffe un petit peu. Un peu là. Oh oui, boum! Allez, 2-2 égalisation! Il y a un truc que vous vous rendez pas compte, parce que quand je joue contre vous, j'ai énormément de pression. Parce que vous voyez, j'ai quand même un certain standing à tenir. Parce que les gens pensent que je suis fort, etc. Mais ça, c'est juste la bâche du montage. En vrai, je suis une daube. Donc... Quand je joue contre vous, il n'y a aucun artifice. 3-2. Bon, le mec, clairement, déjà, il a l'intention de prendre tous les cadeaux que vous m'avez donnés. C'est sympa, hein. Oh, le lag, il est beau, le lag. Oh, ça fait plaisir de voir du lag comme ça. Ça faisait longtemps. Oh non! C'est terrible! Ça y est, il prend l'avantage qui est décisif. Oh, ça va, c'est pas rentré. Il a paniqué. Ok. T'as peut-être pas paniqué, excuse-moi, non mais faut pas tout prendre mal non plus, quoi. Le mec, ça y est, je dis, il a paniqué, il m'explose, quoi. Est-ce qu'il y a un moment, il y a un petit peu de respect dans ce monde de brut? C'est Noël, les amis, hein. Allez, hop là, ça dégage, allez. Là, il faut pas se rater. Wow, non, quel arrêt! Oh non, c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là, c'est la honte. Il faut juste un petit peu de boost, un petit peu de talent, ça aiderait aussi. Ça ferait plaisir. Allez. Il va me défoncer. Oh, j'ai raté. Oui, ça passe. Yes, égalisation, 3-3. C'est nul. Ok, vous pouvez m'insulter parce que voilà, le talent n'est pas forcément très présent. Y a aucun skill, c'était un petit peu de la réussite. Mais voilà, s'il vous plaît, c'est Noël, soyez sympa, on s'en fiche du talent aujourd'hui, ok? Ah bah oui, ça c'est bien joué. Et 15 secondes, ah c'était pas maintenant qu'il fallait se jeter comme ça, comme un demeuré. Ok. Oui, ça c'est bon. Attendez, 7 secondes, 6, 5, ça part, ça y va. Oui, c'est le but. 3 secondes avant la fin, 4-3. C'est scandaleux, c'est le pire hold-up. Je lui ai volé son Noël. Oh, c'est triste, il méritait. Allez, attention, c'est pas fini. Yes, c'est la victoire, gagnant, Père Noël. C'est n'importe quoi, comment c'est possible?
Je ne sais pas comment j'ai gagné ce match. Le mec était clairement meilleur que moi. Je me suis pris toutes ses feintes. Il a quand même mis 3 buts. Il a donc 3 cadeaux. Ah, le revoilà, le revoilà. Attendez, attendez. Le revoilà. Il va trop vite pour moi. Tu m'entends? Bah écoute, je comprends pas ce qui s'est passé. Comment t'as pu perdre ce match? Je comprends pas. j'ai plein de choses. Je suis perdu là quand je vois ça. Bah j'ai aussi plein de choses nulles. Hein. Parce que voilà, je vais pas vous le cacher, il y a quand même des abonnés qui lancent l'échange. Alors c'est l'intention qui compte, hein, donc bien sûr je prends n'importe quoi. Mais il y en a qui vont me sortir genre 4 voitures rouges, des roues exotiques, etc. Il y en a d'autres qui vont me sortir genre Monsieur Hot Dog ou alors Madame Patate, tu vois, donc c'est pas super intéressant. Écoute, est-ce que ça te convient? 2 stickers animés, sachant que t'as perdu quand même, je peux pas te donner... Voilà, j'en ai 3 stylés comme ça. Allez, je te rajoute une voiture, je suis comme ça, moi. Faut quand même dire ce qui est, la dernière playlist de Rocket League, c'est déjà un beau cadeau de Noël, elle est magnifique! Deuxième abonné, VicJo56. Et déjà, VicJo, il a été plutôt sympa, il a donné pas mal de cadeaux pour la vidéo. Il me dit bonsoir, bonsoir, je suis le Père Noël. On va écrire un message une fois, et pour tous les abonnés, on mettra le même, ok? Le mec a trop la flemme. Mais c'est tellement long d'écrire ça. Et c'est parti, bonsoir, je suis le Père Noël, as-tu le sage? Un but égale un cadeau. C'est le Papa Noël, je savais qu'il existait, mais bien sûr que le Père Noël existe, c'est moi! Bon, VicJo56, je le connais, j'ai déjà joué contre lui, il est très très chaud. Donc là, je suis quasiment sûr de perdre, c'est simple, hein, très bien. Si je pouvais mettre un petit but direct... Ah ouais, non mais qu'est-ce que je fais, franchement... Non mais on va essayer de pas trop se faire ridiculiser tout de suite non plus. Allez, ça part, ça part, ça part. Il est dans le mal, il est dans le mal, il est dans le mal. Ça y va, ça y va. Boum, 1-0. Je sais pas, c'est quoi, c'est... Je mets que des buts éclatés, je rate des trucs inratables, et j'arrive quand même à marquer. C'est vraiment la magie de Noël. Vous mettez ce bonnet et vous êtes bon. Aïe, pourquoi le mec il dit aïe alors que c'était vraiment pas du tout aïe. C'était vraiment nul comme but. Oh là là, j'ai pas de boost. J'ai pas de boost, c'est la panique. Oh oui, pas besoin de boost, garçon. J'aimerais bien quand même hein, avoir un petit peu de boost. Un minimum, ce serait sympathique. Bah voilà, j'en ai 12. De quoi je me plains? J'ai 12 de boost. Et bah voilà de quoi je me plains, parce que je me prends un but. J'ai 12 de boost, mais j'ai 120 de ping. Et en plus, j'ai 0 skill. Alors bon, ça fait pas mal de chiffres, mais au final, ça fait juste que je suis nul. Oula, oula, ouais, non, mais là par contre. Oh, calmez-vous. Oui, oh non, bah ça rentre pas. Plus rapide que la balle, il faut être plus rapide. Je suis filmé. Le mec, il veut être sûr que quand même, voilà, je sois bien humilié devant tout le monde, hein. Pas juste pour lui, quoi. Il va être sûr que ça serve à quelque chose de me ridiculiser comme ça. Il me dit, ok, c'est vraiment la déchéance, c'est la fin du perdre. Ok, cool. Oh non, par contre, pas but sur l'engagement, please, non. Non, pas but sur l'engagement, ça c'est pas cool. J'arrête les buts sur kick-off. Mais non, je normalement, tu le mérites. Mais putain, c'est quoi ça? Il a pitié de moi. Ça y est, là on est arrivé à un stade où là ça devient vraiment ridicule. Si t'as vraiment pitié de moi, me demande pas d'éviter, juste t'évites et tu fais genre tu rates, ok? Bah non, bah là non. Bah là clairement elle est pas rentrée, j'ai fait appel à la Golden Technology s'il vous plaît. Oh moi je trouve qu'elle est pas rentrée. Bah j'ai beau voir les images, pour moi ça rentrait pas. Après voilà, ça part sur un certain Allemagne Brésil, mais bon je sais pas jusqu'où ça va aller. Cette histoire, mais un peu trop loin à mon goût. Regardez ça, j'arrive même pas à cadrer, enfin, c'est dramatique. Même quand il n'y a pas de goal, j'arrive pas. On arrête l'humiliation. Ah putain, quand même. 8-2, yes! Enfin! Et j'ai vraiment cru que j'allais rater en plus. 200 de ping, ça aide pas, hein. C'est heureusement qu'il y a le ping, parce que sinon je me prendrais un 8-2 sans problème de ping. Et là, ce serait encore plus ridicule. Heureusement que le ping est là pour me donner une excuse. Il y a 9-3, les gars. Je me suis pris 9-3 par un abonné. Ah oui, mais le Père Noël, c'est pas son taf à la base, hein, de conduire des voitures. Non, non, mais c'est pas vrai, on te commence pas. Je te jure, il va me donner des cadeaux, le mec. Il a tellement pitié de moi qu'il me donne des cadeaux. C'est bon, t'inquiète pas, j'ai des items, hein, je vais m'en sortir, je vais m'en remettre. Hein. Allez, 9 cadeaux, c'est parti. 1. Ah, 9, c'est beaucoup quand même. Hein. Eh, hey, il en faut pour les autres quand même, les gars. Et 9, ça fait 9 cadeaux. C'est déjà trop. Non, mais mec, tu m'en as donné plus. Bon, alors, ok, bon, tes cadeaux. On va pas se cacher, ils sont un peu éclatés. Hein. Voilà. Allez, c'est parti, c'est un échange de Père Noël. Là, c'est sympa hein, de me donner des trucs, même si, bon, voilà, je le prends plus. Ça me vexe plus qu'autre chose, finalement, parce que bon, c'est quand même un peu la honte. Hein. J'ai mis un message sur YouTube pour vous inviter à rejoindre la vidéo, et il y a quand même un mec qui a écrit, j'ai pas le PS Plus, mais tu peux me l'acheter. Il me donne son PSN derrière. Ok, c'est Noël, les gars, mais il y a des limites, quand même. Je ne fais que des vidéos sur YouTube, hein. On se calme tout de suite. Voilà le troisième abonné. Ce qu'il faut savoir, c'est que le petit sticker qui est sur ma voiture, je peux pas vous le donner, parce que, en fait, c'est un abonné qui me l'a prêté, juste pour que j'ai une voiture un peu stylée pour la vidéo. Voilà, c'est tout. Non, mais niveau pauvreté, on va jusqu'au bout, hein. Ok, c'est parti. Rejoindre Père Noël. Je pense que là, c'est le Père Noël qui doit gagner. Voilà, on s'est pris un 9-3, il est temps un petit peu de rétablir la vérité, c'est-à-dire de retrouver un minimum de skill. Allez, 1-0, c'est bien, ça part très très bien, hein. Non mais attends, Julio, laisse-moi 2 secondes, que je vais chercher du boost, que je reviens arrêter le but. Allez, un petit peu de chance, un petit but éclaté sur l'engagement. Moi, je dis pas non en vrai, hein. Ça m'aiderait, voilà, parce que... Y'a que comme ça que je peux gagner, je suis désolé. Bah ouais, non mais le Père Noël, écoutez, il a aucun honneur, hein. Clairement, à un moment, il faut gagner. Qu'est-ce qu'il est en train de fabriquer, Julio, là? Hop là.
Hop là, je le dribble et hop là, je mets un but. Je mets un but, ok. Mais regarde ça, j'arrive même pas juste à faire un saut avant pour taper la balle. J'ai raté, hein. En vrai, j'ai raté. Voilà, ça c'est bien contré, c'est bien contré. Allez, un petit rebond favorable. Niveau rebond favorable, je m'attendais pas non plus à ça rentre directement dans le but. Hein. Le centre est parfait. Allez. Oh, je suis désolé. Je suis désolé. C'est ma seule chance pour gagner. Je suis le pire Père Noël de l'histoire. Je vois rien. Je ne vois rien du tout. Je ne vois rien. C'est dramatique, non. 6-5. Non. On était bien parti. 18 secondes, mais je crois que c'est fini, les amis. À moins que ça, ça rentre. 6-6. Je voyais le but et là, j'ai explosé en 1000 morceaux. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Prolongation, 6-6. Là, c'est un match serré pour le Père Noël qui est pas bien, hein, clairement. 7-6, allez, c'est bon, ça me saoule. 7-6, je dois lui donner 7 cadeaux. Bah écoutez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et voilà. C'est pas mal. Là, franchement, je vais lui donner des trucs stylés, hein, des belles roues, etc. Le mec, il veut me donner une roue exotique. Vous êtes trop gentils, les amis. Ok, voici maintenant Kylian Joss qui a aussi donné des cadeaux pour la vidéo. Bonsoir, je suis le Père Noël. Et je suis nul, c'est peut-être ce que je devrais préciser. Il me dit absolument, j'ai un 18 en maths. Bah bravo, franchement, là, tu mérites déjà un cadeau. Attends, déjà, rien que pour ça, rien que pour ton 18 en maths, Kylian, tu mérites un cadeau. Et tu mérites, allez, déjà, bim, je te donne condensateur 4, peinte rouge, roue importée. On est comme ça, nous, allez, c'est cadeau. Cette fois-ci, c'est l'heure de rétablir la vérité. Ça fait 3 fois que je dis ça. Et je pense que lui aussi, il est chaud, parce que voilà, il avait quand même des... Bah, c'est lui qui m'a prêté le sticker animé, là. Donc voilà, il avait quand même des trucs un peu stylés. Je pense qu'il a un petit niveau. Allez, ça peut pas rentrer. C'est pas rentré. J'ai pas de boost. Et ça rentre. 1-0. Allez, c'est parti. Ça part mal. Ça part très très... Je m'étouffe. Allez, là, non, mais... Oh, pourquoi? Non, mais attends. Je mets 500 ans à retomber, t'as vu ça? Oh non, là par contre, là c'est une blague, là par contre. Allez, il reste du temps. On peut se ressaisir encore. Allez, grosse frappe. Voilà, allez, 3-1. Ah non, j'ai un problème d'enregistrement. Je vois rien. 4-4 égalisation. C'est horrible ce que je fais. À chaque fois, pour essayer de recoller au score, je suis obligé de vous détruire. Je n'ai pas d'âme, je suis désolé. Allez. Voilà, 5-4, on repasse devant, allez. Non mais là, je commande plus trop parce que je suis vraiment... J'ai vraiment honte. Là, je suis passé en mode tryhard, c'était censé être une vidéo genre chill, on donne des cadeaux, etc. C'est le Père Noël. Et je suis passé en mode gros tryhard à base de je vous défonce pour mettre des buts, quoi. C'est honteux. Et voilà, il y a un moment, vous m'avez trop humilié, il faut que quand même que j'arrive au moins à gagner juste quelque chose, quoi. Allez, ça c'est bon. Allez, ça part. Allez, on se ressaisit, on commence à faire... Dommage. On commence déjà à refaire des trucs un petit peu plus stylés. J'aime bien comment j'ai dû me concentrer. Je suis obligé de me concentrer, genre vachement, juste pour pas rater ce genre de truc parce que là c'est ridicule si je rate. 7-4, gagné en Père Noël, on s'en sort bien, c'est très 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 mal barré. Il a donné plein de trucs stylés donc je suis obligé de lui mettre ma système à lui quand même. Hein. On va être sympa. Et je mérite. Et bien sûr que tu mérites. Allez, je te rends tes stickers, je te rends tout. Prends ces cadeaux. T'as quand même eu 18 en maths, garçon. Putain, j'avoue, je lui ai donné quand même beaucoup de choses, hein, alors qu'il a perdu. Mais vous savez quoi, les amis? C'est Noël, après tout. Allez, ça dégage. Désolé, excuse-moi, je vais pas être si violent, hein, mais bon. Suivant, quoi. J'ai reçu la lettre d'un abonné. C'est pas vrai, je suis en train de lire un morceau de Sopalin, mais j'ai reçu la lettre d'un abonné qui me dit qu'il voudrait faire un 2 contre 1 et qu'il est avec son petit frère. Signé Camshaft Player. Allez, c'est à toi de jouer. Allô. Est-ce bien toi qui m'as envoyé une lettre tout droit au pôle Nord pour me demander de faire un 2 contre 1 et récupérer un maximum de cadeaux? Ok les amis, cette fois-ci ça va être intéressant. 2 contre 1. Alors déjà que je me fais toller en 1 contre 1, je sais pas trop ce que ça va donner aujourd'hui, mais j'ai un petit peu peur. Ouais, non mais attendez, vous avez cru quoi? Vous avez cru que j'avais besoin d'un bot pour battre 2 personnes? Ouais, peut-être. C'est possible. Peut-être que j'aurais besoin d'un bot. On va voir ça tout de suite. Normalement, il joue avec son petit frère, donc j'espère que son petit frère a 1 an et demi et qu'il a pas trop de talent. Voilà, comme ça, ça pourrait m'aider un petit peu dans mon périple. Allez, hop là, ça c'est bien. Ça c'est bien. Enfin, je rate pas ce genre de défense. Hop là, petit contrôle. Oh non, c'est dommage, c'était parfait. Je suis devant les buts, je squatte là depuis tout à l'heure, les gars. Laissez-moi remarquer. Allez, ça rentre. Mais non, mais transversal, c'est scandaleux. Allez, 2043, c'est peut-être le dernier match en plus, parce que je vois qu'il y a une lumière qui vient de s'éteindre derrière, donc j'ai plus trop le temps. Ok, l'enregistrement, on va bientôt se couper. J'ai plus de place sur ma carte SD. J'ai plus de batterie. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai plus l'écran du jeu? Bah, je me suis pris un but, mais vous voyez plus le jeu, je suis en train de remettre l'écran du jeu. Allez, ça rentre là. Mais non, mais c'est un truc de malade. Allez! Voilà! Quoi? Mais non! Mais c'est scandaleux! C'est pas rentré là? Mais je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? 2-1! Putain, quand même, c'était long pour marquer, hein.
Ah, vous avez quand même pas cru que j'avais le temps de vous dire au revoir, j'avais d'autres choses à faire là-bas. Bon allez, merci de vous avoir regardé cette vidéo, la prochaine fois je promets, ce sera du skill, ce sera du champion, ce sera du beau Rocket League. À très bientôt tout le monde, bye !